tous et bienvenue dans Campus Sport Mag, le magazine qui vous dit tout sur les Universiades. À l'occasion des 28e Universiades d'été à Gwangju, nous sommes allés à la rencontre de journalistes étudiants de la FISU. Et nous ferons le point sur la magnifique performance de l'équipe de France d'escrime. La 28e Universiade a lancé la saison estivale des compétitions internationales. Plus de 10 000 athlètes étudiants et leurs accompagnants ont fait le déplacement à Gwangju, en Corée du Sud, pour participer pendant 12 jours à la plus grande manifestation multisport de la planète, qui s'adresse aux étudiants, organisée par la FISU, la Fédération internationale du sport universitaire. Au niveau de la FISU, je pense que c'est vraiment une très grande réussite. Il suffit de demander aux athlètes, aux chefs de délégation. Ils ont dit que c'était vraiment une réussite. Et pour nous, le plus important, évidemment, c'est les athlètes et les chefs de délégation. On a eu un village qui a très, très, très bien fonctionné. Nous avons eu des compétitions sportives de très bon niveau, avec un nombre très élevé d'athlètes et officiels, on en a presque à 11 000. Nous avons eu des performances sportives vraiment de haut vol, des matchs exceptionnels. Donc le bilan est vraiment tout à fait favorable. On a vraiment été très, 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 très contents. Entre sports obligatoires et sports optionnels, 21 disciplines internationales ont trouvé place dans ces universiades. Une contrainte pour les organisateurs, réussir à boucler le programme des sports de plein air sous la menace perpétuelle de pluie et d'orages redoutés et attendus. C'est toujours très difficile de trouver des dates qui coïncident avec les dates des grands événements internationaux. Le comité d'organisation avait souhaité faire les Jeux au début juillet. Et je dois vous avouer que nous avons été vraiment vernis. Nous avons été assez chanceux parce que le début du mois de juillet, c'est le début de la saison des pluies ici en Corée. Et finalement, elle nous a atteint que 3 jours sur la compétition. Et là, je dis, Dame Chance nous a souri et ça, ça a été un des grands points. En athlétisme, le temps n'a pas empêché exploits et performances, comme les 3 médailles d'or de la Kazakh Victoria Ziapinka aux 100, 200 et 4x100 mètres, le 3e titre universitaire d'affilée du Polonais Fidzek au marteau, le nouveau record des Universiades aux 3000 mètres steeple par la Russe Ekaterina Sokolenko en 9 minutes 25-77, ou les victoires de ses compatriotes Ekaterina Koneva au triple saut et Pavel Chaline à la longueur avec 8 mètres 29. Mais l'une des plus belles victoires de ces Universiades est incontestablement celle du Belge Van der Platsen au décathlon. Tout le monde disait que ce serait incroyablement difficile, voire impossible, de revenir en 6 mois. Et j'ai prouvé qu'ils avaient tort. Ça montre à quel point tout est possible dans la vie, pour peu que vous vous en donniez la peine et que vous rêviez toujours en grand. Thomas est un revenant. Être ici, c'est probablement la plus grande victoire. C'est pour ça que je pense qu'il était très important pour moi de mener à bien cette grosse phase d'entraînement pour retrouver ma forme et venir ici pour participer à la compétition. Parce que je pense que le fait même d'être là est une victoire. Thomas revient donc de loin. Septembre 2014, on découvre chez le jeune Belge un cancer. Pour ce jeune champion, déjà titré à 15 ans dans sa discipline, c'est le choc. Soigné à temps, Thomas participe à Gwangju à sa première compétition, à peine sorti de sa convalescence. Je pense que les Universiades sont arrivées pile au bon moment, parce que j'ai seulement senti 2 ou 3 semaines avant que ma condition physique devenait bonne, que j'étais redevenu suffisamment fort pour un décathlon, donc le timing a vraiment été parfait pour mon retour. Le champion de Kazan sort de chimiothérapie. Mais sur la ligne de départ, l'or compte plus que tout. Thomas cherche ses repères comme une première fois et a rendez-vous avec lui-même. J'ai senti que la pression était un peu plus forte du fait que je faisais mon retour après une longue période de maladie. J'ai ressenti plus d'attente parce que j'avais travaillé très dur pour revenir. Et puis j'attendais aussi beaucoup de moi-même, justement à cause de tout ce travail accompli. Et du coup, après les premières épreuves, je me suis dit qu'il fallait que je voie les secteurs où je ne m'étais pas entraîné les 6 mois précédents. Le décathlon, ce sont 10 épreuves d'athlétisme réparties sur 2 jours. Et Thomas a mal commencé la compétition.
Distancé sur 100 mètres et auteur d'un des plus mauvais concours de sa vie à la longueur, le jeune champion belge a du mal à se remotiver. Mais il se bat, redevient le compétiteur acharné sur les autres épreuves et remporte, à bout de souffle, la médaille d'or. C'est un magnifique exploit. Quand j'ai remporté cette médaille d'or, j'ai senti que tout le monde manifestait beaucoup de respect au moment de me féliciter. Ça m'a fait vraiment du bien parce que j'étais là seulement depuis deux jours avec ces types. Et ça faisait vraiment plaisir de ressentir leur respect pour le combat que j'avais mené pour revenir. Pour Thomas van der Platzen, ces universiades ont un goût particulier. La Corée du Sud l'aura remis sur le chemin du monde athlétique. Cette médaille clôt un chapitre pour moi, celui d'un travail très dur pour revenir, sans jamais avoir douté que je puisse en être capable. Donc c'est une manière parfaite d'en finir avec ce chapitre de ma vie, en renouant avec ce que j'aime, l'athlétisme. Thomas van der Platzen, un champion de la vie, un des grands héros de ces universiades. Dans un instant, vous découvrirez le programme de formation des jeunes journalistes de la FISU. Et nous ferons le point sur les performances de l'équipe de France d'escrime aux côtés de Marc Vandenplas. When education meets sport and culture, what best promotes excellence in mind and body? Where do friendship, integrity, and achievement meet? Which event gathers the best student athletes from around the world? The Universiade, the home of international university sports. Today's stars, tomorrow's leaders. La Fédération internationale du sport universitaire organise, parallèlement à ses épreuves sportives, une conférence sur le rôle qu'elle joue à l'échelle planétaire en signant des accords avec de grandes organisations internationales, comme cette année l'Agence mondiale antidopage. Le but de tout cela est de sensibiliser les athlètes sur différents aspects du sport, le fléau du dopage et ses conséquences, ou la relation avec les médias. Les universiades sont souvent le premier contact avec la presse internationale pour ces jeunes athlètes. Il y a des milliers de jeunes athlètes ici et ils réfléchissent à leur future carrière, que ce soit dans le sport ou en dehors. Donc pour eux, les questions sont très simples. Comment se servir des médias? En quoi faut-il être prudent dans ses relations avec les médias? Et aussi comprendre que même si les médias sont partout aujourd'hui, il y a encore des malentendus sur la manière dont ils fonctionnent. La FISU leur prodigue donc des cours afin de leur apprendre comment répondre et se comporter devant les médias. Oui, c'est très important de savoir ça, car nous parlons aux médias tous les jours. Et nous disons des choses qui sont reprises par les médias et qui pourraient casser ta réputation. Maintenant, je sais quoi dire ou pas quand tu es face à eux. La première chose que je leur ai dite, c'est d'être eux-mêmes, de ne pas essayer de se faire passer pour quelqu'un qu'ils ne sont pas, mais de se préparer, de réfléchir aux messages qu'ils veulent faire passer, aux mauvaises expériences qu'ils ont eues dans leur carrière, aux questions qu'ils n'ont pas envie d'affronter, mais de les préparer quand même, parce que les médias sont imprévisibles. Durant ces universiades, tout athlète peut se retrouver en situation d'interview. La première image que l'on donne est souvent celle qu'on laisse. Il s'agit juste de s'y préparer. Les journalistes sont très importants pour les athlètes, car ils construisent leur réputation et ils couvrent les épreuves, donc les gens peuvent les voir. Sans les journalistes, le sport ne serait pas aussi populaire. Donc je pense qu'il est important que les relations soient bonnes entre les athlètes et les journalistes. Ils sont encore très curieux sur la manière dont les médias fonctionnent. Ils se demandent pourquoi il y a tellement d'infos négatives et si peu d'infos positives. Ils s'interrogent aussi sur l'influence des médias sociaux, sur les médias plus traditionnels, sur la motivation des médias, pourquoi ils posent certains types de questions. Et c'était mon rôle d'expliquer le mécanisme de fonctionnement des médias. Le plus important, c'est d'être rapide et concis, parce que quand les gens parlent aux médias, ils
ont souvent l'impression d'être mal interprétés, parce que dans la manière dont fonctionne notre travail, on doit être bref et synthétique et ne retenir qu'une petite partie de ce qu'ils disent. Ces jeunes athlètes viennent de cultures et d'horizons différents, où les médias locaux n'ont pas la même influence ni le même impact. J'ai appris tellement de choses que je ne savais pas. Je vais donner les informations que j'ai collectées aujourd'hui aux autres et ensuite j'irai remercier les gens d'AFISU d'avoir organisé ce séminaire. Apprendre à connaître la presse en tant que sportif est une chose, mais qu'en est-il de journalistes en apprentissage? Tout comme pour les athlètes, l'AFISU a mis en place un programme d'apprentissage des grands événements sportifs multidisciplinaires comme les Universiades pour les jeunes reporters en début de carrière. Nous avons débuté ce programme en 2011, durant les Universiades de Shenzhen. Et nous nous sommes dit qu'en marge des reportages créés durant l'événement, nous pourrions mettre en place une sorte de programme éducatif afin d'apprendre aux jeunes journalistes sportifs de couvrir un événement multisport, mais qui aiderait également l'AFISU à couvrir ces jeux. Ils viennent du monde entier, représentent leur continent et avec eux une grande diversité de cultures et de points de vue sur la presse et le monde sportif. Ces jeunes reporters reçoivent des cours sur le journalisme et son éthique par de grands acteurs du monde sportif, des cours plus techniques également. Une éducation complétée par la couverture des Universiades tous les après-midi, ils font leur premier pas sur la scène du sport international. Le plus compliqué, c'est de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas ici pour écrire sur le sport, mais sur les passions des hommes. Il y avait un Égyptien qui adorait le football, et il pensait qu'il écrirait ici les meilleurs articles sur le football. Mais on lui a dit non, qu'il n'allait pas écrire sur le football, justement. Alors au départ, il a été déçu, il disait qu'il ne pouvait écrire que sur le football. Mais après, il a pris conscience qu'il pouvait faire bien plus que d'écrire sur ce sport. Et c'est notre grand défi d'arriver à ça. Et c'est le meilleur résultat que peut produire notre programme. On a déjà de belles histoires. Et nous faisons parler aussi bien les petites délégations que les volontaires, que les juges. C'est ça l'image de ces Universiades. La compétition, c'est une chose, mais il y a bien plus encore à couvrir au sein des Universiades. 12 hommes et femmes de tous les horizons font partie du programme, ainsi que 12 jeunes reporters coréens, pays organisateur oblige. Au total, 24 jeunes qui doivent trouver des infos pour leur sujet, chercher leurs contacts, apprendre comment fonctionne un centre de presse ou de télévision, afin de couvrir cet événement qui ne dure que 13 jours. Ils doivent apporter 3 sujets par jour avec des titres différents. Et ils doivent être très créatifs dans la mesure où la plupart des athlètes ici sont peu connus. Ils le deviendront après l'université quand ils participeront aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques. Mais ici, personne ne les connaît. Donc ils doivent trouver des angles originaux sur les athlètes, ils doivent faire des recherches et pour ça, il faut travailler dur. Entre réunions et reportages, nos jeunes reporters vivent un véritable marathon. Aujourd'hui, après les cours du matin, une étudiante nigériane se rend sur les épreuves d'athlétisme. Je fais partie du programme de l'AFISU. Je devais me rendre ici et couvrir l'événement. Vous ne pouvez pas écrire un article et concevoir une histoire sans vous rendre sur place. De mon côté, il fallait donc que je couvre l'événement en écrivant ce genre d'article. C'est la première chose à faire. Au programme du jour, 10 finales. La journée est très chargée. Il y a les épreuves de saut, les lancers et les courses. Les relais sont aussi au programme. La Nigérienne doit prendre des notes et faire ses choix. Aujourd'hui, j'ai rencontré les gagnants, car ici, ce n'est pas facile d'écrire. En les rencontrant, vous pouvez lire l'excitation sur leur visage quand ils remportent une médaille. Également ceux qui sont optimistes pour la suite. C'est vraiment excitant. Après les finales, elle descend en zone mixte, la zone de contact avec les athlètes, pour recueillir informations et réactions. C'est votre première médaille dans une compétition majeure ? Je suis de l'AFISU. Vous avez remporté le saut en hauteur. Oui, le saut en hauteur. C'est une belle affaire. C'est une médaille d'or. Oui, c'est une médaille d'or. Je suis très contente car je n'ai jamais remporté de médaille aux Universiades. C'est ma première médaille d'or. Ok.
Oh, bravo, félicitations. Vous savez, c'est une longue route avant de découvrir qu'il y a autre chose derrière un score, derrière une victoire sur un événement. Il y a aussi la foule, les réactions, et évidemment l'atmosphère du stade. Il y a plein d'histoires cachées, comme les histoires de survivants du sport qui ont survécu au cancer. Et vous savez, c'est ce genre d'histoires qui sont laissées pour compte et que les médias ne traitent pas. Comme tout journaliste, elle se rend ensuite à la salle de presse du stade d'athlétisme pour ordonner ses notes, rédiger son article et faire le point sur ce qu'elle a appris durant ses universiades. Pour moi, c'était le football et rien d'autre. Mais maintenant, j'ai de l'expérience. Cette expérience m'a plus qu'aidée. J'ai été capable de couvrir plein de sports. Et forcément, mon approche du sport a radicalement changé. Et pour de bon. Ce programme m'a permis de m'ouvrir à un savoir merveilleux. Je pense que j'écris mieux maintenant. Je me sens déjà comme une professionnelle. Je pourrais aller sur n'importe quel événement en sachant ce qu'il y a à faire, ce que j'ai fait ici. Le programme des jeunes reporters permet de former les futurs journalistes sportifs sur les grands événements, mais pas seulement. Je pense que la première des choses est de travailler sur des sports qu'ils n'ont jamais vus avant. On ne parle pas que foot ici, mais nous avons des sports comme l'escrime, le plongeon, qu'ils n'ont jamais couverts. Ils savent comment se comporter et agir parce qu'ils font un travail de journaliste normal. Mais c'est aussi une situation de gagnant-gagnant, car après, ils peuvent devenir freelance pour la FISU au sein de l'équipe média. Ce qui signifie que s'ils sont toujours intéressés par le sport étudiant, ils peuvent travailler pour la FISU dans leur pays et faire des reportages sur leur pays, leur région. C'est vraiment une situation de gagnant-gagnant. Ils apprennent les bases et le savoir ici, mais nous aimerions qu'ils s'en servent dans le futur. Pour les jeunes reporters, c'est aussi une prise de conscience de la place du sport universitaire dans leur pays respectif. Je vais évidemment essayer d'influencer les gens de mon pays. Je vais le faire dans mes articles, quand j'écris, passe à l'écran ou à la radio, et ainsi essayer de leur montrer qu'il n'y a pas que le football. Parce qu'au Nigeria, il n'y en a que pour le football. Et ainsi essayer de leur faire prendre conscience qu'effectivement, nous n'avons pas fait de médaille aux universiades, mais que tout reste à faire. Que nous devons investir dans les universités sportives. Bref, dans d'autres sports que le foot. Cela a vraiment créé en moi un chemin que je vais prendre et saisir cette opportunité pour essayer d'influencer notre approche du sport à l'école. Car cela est très important. Et oui, le programme des jeunes reporters est un programme à long terme. Ne bougez pas, dans un instant, nous faisons le point sur les performances exceptionnelles de la France en escrime. À tout de suite. When education meets sport and culture. What best promotes excellence in mind and body? Where do friendship, integrity, and achievement meet? Which event gathers the best student athletes from around the world? The Universiade, the home of international university sports. Today's stars, tomorrow's leaders. Au programme des Universiades, les sports de combat. Ces derniers sont très populaires en Asie. La délégation sud-coréenne remporte 8 des 23 médailles mises en jeu en taekwondo, son sport national. 16 des 18 titres du judo vont à l'Asie, dont 9 à la Corée du Sud. À Gwangju, pour cette 28e Universiade, c'est avec les sports de combat que les Coréens ont le plus vibré et réalisé leurs plus brillants résultats. Pourtant, malgré 2 médailles d'or coréennes, le 3e sport de combat de ces Universiades, l'escrime, échappe encore à l'Asie. À Gwangju, la France a fait main basse sur la discipline comme jamais aucun autre pays ne l'avait fait auparavant, ni avec autant d'autorité.
Ça dépasse toutes nos espérances. Il y avait un fort potentiel dans cette équipe. Et il y avait des médailles vraiment attendues. Et puis, il y a une telle dynamique. La mayonnaise a pris dès le premier jour et on peut dire qu'on a une réussite totale et on surfe sur une vague coréenne très sympa. Dès la première compétition, l'épée féminine individuelle, les tricolores remportent l'or. Cette victoire fait boule de neige. Sur 12 titres mis en jeu, l'équipe de France en remporte 8. Quelles que soient les armes, sabre, fleuret ou épée, en individuel ou par équipe, chez les femmes comme chez les hommes, les Français sont sur tous les podiums. L'équipe de France a pris ses Universiades très au sérieux. Toute victoire est importante. Elle est importante psychologiquement, elle est importante dans la construction de la carrière de l'athlète. Ici, c'est le deuxième événement en masse après les Jeux Olympiques. Il y a la vie au village, les sollicitations de vous, médias, bon, ce sont des mini-jeux. Alors forcément, avec un niveau moindre, on en est bien conscient. Mais le tout, c'est de gagner. Et participer, non, c'est bien joli, mais là, on veut gagner. Cette culture de la gagne va faire la différence dans tous les moments clés des rencontres, notamment dans les compétitions par équipe. Un exemple, la France contre le Kazakhstan en quart de finale de l'épée masculine. 44 partout. La tension est à son comble et elle est palpable sur tous les visages. Tout se joue sur la dernière touche. Ça n'a pas été de tout repos, puisque en quart de finale, on gagne d'une touche, à la mort subite. C'est fait et c'était l'objectif. Moi, c'est ma dernière compète cette saison. Donc je termine sur 2 victoires et je peux pas demander mieux, hein, c'est super. Les épéistes masculins gagnent ce quart de finale et remportent la compétition par équipe devant l'Ukraine. Dans les Universiades, il y a la même tension, le même stress et les mêmes angoisses que dans n'importe quelle autre grande compétition internationale. Dans ces Universiades comme ailleurs, tout se joue sur les nerfs. C'est complètement des copier-coller des épreuves olympiques. Et c'est le sport qui vous fournit toutes ces émotions, toutes ces sensations. Et ben, on ne boude pas notre plaisir, loin de là. 2015, Universal Gonju Fighting. Des images de joie pour des victoires marquantes. Seules les épreuves individuelles de sabre masculin et féminin, de sabre par équipe dames et de fleuret par équipe féminin, échappent aux Français. La domination tricolore a une explication qui remonte aux derniers Jeux Olympiques de 2012. Je pense qu'on a pris une grosse claque à Londres. Du coup, il y a eu beaucoup de remises en question de toutes les armes, je pense. Là, c'est en train de payer, pas seulement aux Universiades, mais un peu partout, tout au long de la saison. Notamment chez nous à l'épée, où on est sur une grosse série. Là. Je crois que c'est la 13e finale ou 12e finale individuelle internationale consécutive. Et par équipe, on a toujours fait médaille, je crois aussi. Donc ça prouve qu'on travaille très bien, qu'on a une vraie culture de la gagne, parce que qu'on se prépare, qu'on vient ici en compète, on veut que l'or, on veut que gagner. Donc c'est peut-être ce qui explique qu'on est en réussite en ce moment. Et donc je suis fier de faire partie de cette équipe. Et fier d'avoir amené l'or au clan français. T'as le droit de sourire, t'es heureux, t'as une médaille. Ok, c'est parti. Ça fait pratiquement 50 ans que je fais de l'escrime et je pense pas qu'une délégation ait fait autant de médailles d'or. Plus de médailles, ça a été réalisé déjà, mais autant de médailles d'or, je ne pense pas. Effectivement, jamais une équipe nationale n'avait autant dominé son sujet. Les 28e Universiades d'été s'achèvent à Gwangju. Le bilan sportif est positif concernant le niveau des épreuves, mais il y a eu moins de pays participant à Gwangju qu'à Kazan. Environ 150 en Corée du Sud contre 162 en Russie 2 ans avant. Une des raisons, l'apparition du virus MERS qui a frappé la Corée. Il y a eu un petit peu un syndrome MERS où tous les gens, malgré que la situation médicale était vraiment sous contrôle, il y a certaines délégations qui au dernier moment ne sont pas venues par peur de MERS. Parmi les absences de marque dans ces Universiades 2015, la Corée du Nord.
comité d'organisation avait vraiment travaillé très très fort pour essayer d'avoir la Corée du Nord dans les meilleures conditions possibles, avait pensé à des actions de promotion et au dernier moment, vu la situation politique intérieure en Corée du Nord, le pays n'est pas venu, ce qui était vraiment dommageable, d'autant plus qu'elle avait participé aux autres universiades. Autre surprise pour la Fédération internationale du sport universitaire, les stades et les compétitions n'ont pas connu l'affluence attendue. Nous donnons toujours des conseils au comité d'organisation et sur le plan de la vente des tickets, nous leur donnons certains conseils qu'ils ont décidé de ne pas suivre. Mais je pense qu'il est sûr et certain que dans une compétition comme celle-ci, lorsque nous avons des matchs préliminaires, la vente des tickets, on le sait très bien, c'est un petit peu difficile et nous préconisons toujours pour remplir les salles d'inviter beaucoup les écoles, les écoliers d'une manière gratuite. Dans vraiment les premiers tours préliminaires et ça n'a pas été fait aussi bien qu'on ne le voulait. Côté palmarès, en revanche, la FISU retrouve le sourire. La Corée s'impose au classement des nations avec 47 médailles d'or et 108 au total. La Russie et ses 156 titres à Kazan est seconde à Guangzhou avec un total plus raisonnable de 34 médailles d'or. Les résultats sont retombés dans une forme de normalité. Il est toujours sûr et certain que le pays hôte aura plus de médailles que les autres, font un effort tout à fait spécial. Mais je trouve vraiment que, quand on voit le tableau des médailles, je trouve vraiment que c'était rassurant et on a regardé les épreuves sportives et on a vu vraiment des nations auxquelles on n'avait pas l'habitude de voir monter sur les podiums. Et ça a vraiment été un grand bol d'air frais, je dois avouer. De nouveaux sports faisaient leur entrée dans ces 28e Universiades. Le baseball, sport très populaire en Corée, et le handball. Ce dernier ne sera pas reconduit dans le programme des prochaines Universiades. Explication. Pour le sport par équipe, nous avons besoin d'énormément de sites, puisque nous disputons le programme complet en disputant 21e, 22e, 23e, 24e place. C'est vrai que le handball a singulièrement compliqué la tâche des organisateurs parce que nous avons eu besoin d'énormément de sites pour les sports par équipe. Mais il a sa place, mais je ne sais pas si les futurs organisateurs, en tout cas Taipei ne le fera pas, et je ne sais pas si les futurs organisateurs 2019 ou 2021 choisiront encore le handball. Car en 2017, les Universiades resteront en Asie. Taipei succède à Guangzhou. Les grands événements maintenant multisportifs se passent de moins en moins en Europe et aux États-Unis. Et nous avons trouvé des organisateurs qui ont des moyens financiers et qui ont également des ressources humaines qui les rendent tout à fait capables d'organiser des événements à leur plus haut niveau. Taipei accueillera en 2017 les 29e Universiades d'été. Ce sera pour ce pays proche de la Chine le plus grand événement sportif jamais organisé à ce jour sur son territoire. Ils ont déjà organisé en 2009 les Jeux pour les sourds et muets, ce qui était des petits jeux avec 2000 athlètes. Ils ont organisé les Jeux mondiaux dans le sud de l'île, ce qui avait 6000 athlètes, mais c'est vrai que pour eux, ce sera un énorme défi. Mais nous avons déjà organisé par le passé des championnats du monde universitaires, et ça s'est vraiment très très bien passé. Mais c'est vrai que les Jeux universitaires avec 22 sports, pour eux, ça va être un solide défi. Mais je dois vous avouer qu'ils ont le master plan qui suivent avec énormément de précision, et ils sont toujours là lors des programmes des Observers, et je crois que ça va vraiment très très bien se passer. Voilà, la flamme s'est éteinte le 14 juillet sur les 28e Universiades d'été. Rendez-vous à Taipei en 2017. Star aujourd'hui, leader demain. When education meets sport and culture. On your mark. What best promotes excellence in mind and body? Where do friendship, integrity, and achievement meet? Which event gathers the best student athletes from around the world? The Universiade, the home of international university sports. Today's stars, tomorrow's leaders.